et bienvenue dans une nouvelle vidéo de show. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette simple et efficace, les travers de porc avec la sauce aigre douce du chef Chou. Ce plat convivial se déguste en restaurant autant qu'il se cuisine à la maison. Aujourd'hui, on fera une version rapide de restaurant avec un goût prononcé et une sauce légèrement sucrée, la meilleure version à mes yeux. Pour cela, il nous faut 600 g de travers de porc, un œuf, du poivre, 5 grandes cuillères de bière, de la poudre de tapioca. Pour les légumes, on prendra un demi-oignon, un concombre et un demi-poivron. Pour la sauce, il y a 7 ingrédients. Une petite cuillère de maïzena, une petite cuillère de sauce soja, 3 cuillères à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe d'eau, 6 cuillères à soupe de ketchup, 2 cuillères à soupe de vinaigre et une petite cuillère de miel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me dire les nouvelles recettes que vous aimeriez goûter. À vos baguettes! Pour commencer cette recette, on va mariner les travers de porc avec le poivre, la bière et l'œuf. Cette marinade rendra les morceaux de porc plus tendres et plus juteux. N'hésitez pas à masser un peu la viande, puis réservez au frais pendant 20 minutes. Ensuite, je vais découper les légumes en taille d'une bouchée et je les réserve. Et maintenant, on passe à la sauce. On va mélanger ensemble la maïzena, la sauce soja, le sucre, l'eau, le ketchup, le vinaigre et le miel. Ce dernier rendra notre sauce plus originale et fraîche. Pour la cuisson, on va enrober les travers de porc avec la poudre de tapioca. On va bien appuyer pour que la poudre colle à la viande. Je vais laisser les travers de porc reposer de côté pendant 5 minutes. Pendant ce temps, je vais faire chauffer l'huile. Quand l'huile est à 160 degrés, je vais faire frire mes travers de porc jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Tu les réserves, puis je fais très rapidement frire les légumes pendant 10 secondes. Attention, ça pétille. Si vous voulez que ce soit moins gras, vous pouvez aussi choisir de ne pas faire frire les légumes et les sauter tout simplement avant de mettre la sauce dans la poêle. Ensuite, dans une poêle où il est chaud, on va y mettre la sauce et la porter à ébullition. Puis on y met les travers de porc et on va bien les enrober avec la sauce. Quand c'est bien couvert de sauce, ajoutez les légumes, remuez bien et c'est prêt. À table, c'est chaud.